Hey, c'est moi, je suis de retour, j'ai sorti des égouts pour vous retrouver ici. J'ai fait un vraiment gros détour dans les égouts, mais tout s'est bien déroulé et on est sorti maintenant. Et j'ai décidé aussi de faire fuck les règles. Faut trouver Birdo, ça finit là, ok? Toutes les boss qu'on a vus comme celui-là, on n'est pas obligé d'aller le faire. Et la seule règle, j'imagine, qu'on pourrait se donner, c'est je fais pas exprès de me tuer. Le suicide, c'est mal. Voilà. Et je sais toujours pas quoi faire. Pareil. Partie de moi va aller chercher l'item clé ou les Yoshi, mais c'est tellement une perte de temps que je ne sais pas. Ça peut être très bien une grosse perte de temps. Parce que là, il nous faut des items clés dans la tour de booster, beaucoup. Il nous faut des bombes pour aller ici. On peut aller voir dans la ville, par contre, s'il n'y a pas des items bien à acheter. Et je vais juste aller faire un... Regardez vite! Qu'est-ce que j'ai? Elder Temple Keir. Ok, fait qu'on a rien de vraiment bon. Fait que peut-être que je devrais aller chercher cet item clé-là. Mais bon... Cette nuit, j'ai été traumatisé par un insecte qui s'est camouflé sur le plancher de ma salle de bain. Un énorme... J'oublie tout le temps leur nom, mais c'est un genre de criquet. Mais un criquet qui se tient... comme un criquet. Je suis mauvais dans les descriptions, excusez-moi. C'est un criquet qui se tient comme un criquet, ok? Voilà. Mais bon, ils sont quand même énormes. Et je l'avais pas vu. Mais moi, je pense qu'une de mes phobies stupides que j'ai, c'est pas... Toucher un insecte, ça me dérange pas tant que ça. Mais écraser un insecte qui fait crunch... Sans le savoir, ça sonne tout. La nuit, et je pense que c'est passé tellement proche cette nuit que ça fasse ça. Parce que j'ai mis mon pied à quelque part à un moment donné, sur le plancher de la salle de bain, et là j'ai senti quelque chose aller sur mon pied, mais j'ai rien vu. J'ai levé le pied en même temps que j'ai baissé ma tête en regardant, comme le réflexe qui fait « Ah! » Tu fais ce genre de réflexe-là. Je l'ai même fait en sautant sur ma chaise. Mais bon. Est-ce que je viens vraiment d'acheter ça? God fucking name it. Ils sont mieux d'être bons, ces Worms Gloves, là. Il avait pas de l'air d'être bon. Oh my god, ça monte juste ma Magic Attack. Je voulais pas l'acheter. On pourrait les vendre. On peut vendre qu'est-ce qu'on a, non? Ça serait une bonne idée. Je regarde pas vraiment. Voilà, ça va me faire pardonner un petit peu ce que j'ai fait là-dessus. C'est marqué les stats là, 27, y'a-tu quelque chose qui change? 5, oh, 1000 nids, je pense que c'est des personnes qu'on n'a pas ça. Mais bon, j'ai fait ce saut, le saut, et j'ai pas écrasé, mais il y avait un gros criquet énorme qui a failli se faire écraser par contre. Oh, le hand cannon, ça serait quelque chose de bien. Oh, celui-là, il donne beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a... Happy Shell... 12 de défense, puis tu résistes à la foudre, t'as plus de vitesse, puis tu résistes au poison, je pense. Ça vaut pas la... Mais donc, je pourrais prendre pour Malo ça avec ça, mais je sais pas si c'est vraiment meilleur. Une seule façon de le savoir, en les achetant au lieu de regarder comme un stupide. Please, please, please. Ok, ça me baisse ma Magic Défense, mais c'est pas grave parce que... Ah, j'avais déjà la pichette. Est-ce que tu peux l'équiper, toi? Non, je pense que personne d'autre pouvait l'équiper. Cell Weapon, Slap Gun, les Slap Gun, il y a des bonnes choses dessus. Mais trop tard. Est-ce que c'était vraiment l'upgrade que je voulais? Non, pas vraiment. Cristalline, c'est quoi de la cristalline? Raises Party's Defense. Ah, ça pourrait être bien. Rotten Mush. Ok, on a assez passé de temps dans ce menu-là, je pense. Et à expliquer comment que ça a fini pour le criquet mal. Parce que... Je voulais pas risquer de l'écraser sans m'en rendre compte une autre fois. Fait que disons que... il est disparu mystérieusement dans de étranges circonstances. Serait-ce des aliens qui l'auraient kidnappé? Qui sait? Qui sait? Certainement pas moi qui a fait quelque chose à ce pauvre criquet sans défense qui était juste là au mauvais moment. Mais bon. Dina went to the mountain with little meat. Je parle souvent des... Oui, little bit. Excusez-moi. Mais je parle souvent d'insectes dans ma maison. Vous allez croire que ma maison est genre infestée d'insectes. Je pense qu'à chaque interaction que j'ai avec un insecte... Oh non, c'est faux. Il y avait une araignée
Les superbes araignées à longues pattes qui se tiennent dans les maisons, là. Il y en avait une l'autre journée, mais j'avais un verre d'eau que j'avais mis beaucoup de glace dedans. Fait que ça faisait un petit peu, ça avait fait une flaque d'eau. Puis t'as l'araignée qui est sortie de nulle part avec ses longues pattes, puis qui est allée s'abreuver dans mon eau. J'ai été offusqué. Mais pas autant qu'un Tenebrium Meunier. Encore une fois, aller dans Booster Pass ici, ça sert à rien. Il me semble. À part avoir des items. On n'a pas beaucoup de place qu'on peut aller maintenant. On a la forêt. Techniquement, pour se développer, mais je pense qu'on va être obligé d'aller dans un donjon, genre le bateau. Est-ce qu'il me faut... Ah oui, il faut faire Booster Pass pour... la tour de Booster ici pour pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'on peut rien s'acheter. Fait qu'on va juste sortir et s'en aller. Puis je pense que... Enfin, non, j'ai une idée. Normalement, il y a une étoile ici, mais il n'y a pas de boss. Je sais pas s'il y a une étoile quand même ici. Oh, maudit, c'est stupide cette affaire-là. Tu sais, quand j'ai dit que j'avais pas besoin de règles, voilà pourquoi. Ça, c'est la sortie, non? To Marymore. Talk to the flower and the stargate will open. Fait qu'on va aller ici. C'est surtout pour... Je sais pas en fait pourquoi je suis ici. Je veux de l'XP, j'imagine. Je veux qu'on se monte de niveau un peu. Puis je pense que de se rendre ici, on devrait être capable de tuer les ennemis. Et monter de niveau en même temps. Espérons. Ah ben oui, face. Il est même parti. Il y a Easy. Avec Rosalina qui nous regarde en tant qu'ennemi. C'est toujours plein. Ah, 10. C'est là. Autant d'XP qu'est-ce que j'avais déjà dans les égouts. Mais bon, on va... Oh, fucking! Merci. On va quand même continuer ici. Ah oui, je te veux, petite taupe. Pas 10 millions. Oh shit, il y en a 10 millions. tout va bien aller, tout va bien aller. Oh, c'est un... Ça doit être un de ces monstres-là, là. Je pense qu'on est résistant à la foudre, non? Je sais pas si c'est Mario. Oh, On est dans la merde. Va falloir sacrer notre cadre ici. Faut se trouver des combats qui ont de l'allure. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas tant d'équipement que ça qui a de l'allure. Malheureusement. Il faudrait être chanceux. Ou juste retourner dans la forêt, se leveler. Il va falloir que je coupe pour me leveler un petit peu. Je vais refaire eux autres. On avait été capable de... Ah, ben, il est tout seul. Montez-moi d'un niveau, on va être correct. Parce que j'aimerais... Je pense qu'il va falloir aller à Yoshi. Faut que j'aille trouver un autre item clé. Et j'espère que ça va être... Faut que j'espère que ça soit la clé pour Booster Tower ou quelque chose de même. Mais pas... Je pense qu'aller dedans, on peut, non? Ah, maintenant que je pense. Je pense qu'on peut y aller dedans, la tour de Booster. Puis il y a plusieurs boss à l'intérieur aussi, si je ne me trompe. Fait que dans le fond, je suis juste stupide. C'est parce qu'on peut pas aller dans une pièce sans un item clé. Fait qu'on a pas... Ah non, il y a... Non. Non, je pense que c'est juste une pièce. Dans ma tête, on a besoin de la clé pour rentrer dans la tour, mais je pense que c'est juste dans ma tête. On va essayer de les tuer eux autres. Je sais pas si... Ben, normalement, ils font pas de magie. Fait qu'ils devraient pas nous défoncer. J'espère. Malo, please, tue-le. Non, il est pas mort. Au moins, il y en a un qui s'est enfui. Il y en a deux qui sont enfuis. Lui qu'on a massacré est resté. Étrangement, on est quand même résistant à les attaques physiques, même s'il a failli nous tuer one shot là. Il est toujours pas mort, ce que je n'aime point. Mais c'est pas grave. Ce sont pas une menace, on n'est pas en train de... God, veux-tu s'il te plaît mourir? L'autre monstre est mort. Bon, merci. Non? HP max, ça aurait tellement fallu que ce soit Rosalina. Donne-moi genre 120 d'XP. On sait tous que c'est... 27 ans quand même! Je vais le prendre. Chance qu'ils sont pas tous restés par contre dans le combat. Y a-tu quelqu'un de nos personnages qui a du heal? Groupog, on l'a! Chie! Tiens, fait un gros câlin. Groupch! Depuis quand qu'on a Groupog? J'avais l'impression qu'on l'avait pas. Mais bon, peut-être qu'on l'a eu en level up, puis j'ai vraiment pas porté attention comme le 3 call. En fait, comme 95% du temps, je n'ai pas porté attention. Où est la dernière étoile qu'on a pas eu? Hey, quand que j'ai... Encore une fois... Parce que j'ai beaucoup de souvenirs de jeunesse à jouer à mes jeux de jeunesse, évidemment. Mais cette zone-là, je me rappelle que je pensais que j'étais pris. Il me manquait une fleur étoile à parler et je la trouvais pas. Je sais pas comment j'ai... Honnêtement, je sais pas. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des hitbox weird dans cette zone-là.
C'est, mettons, exemple, je pèse juste, j'appuie juste vers le haut en ce moment. C'est un petit peu weird, c'est pas nécessairement dans la direction qu'on pourrait penser que ça irait. Fait que j'imagine que ça me... Oh god, non, c'est tantôt on est mort avec eux autres. Fuis Mario! Mort entre guillemets, là, Mario était mort. Puis il y a des étoiles bleues, là, ça fait-tu quelque chose en vie? J'avais jamais vraiment porté attention. Des fois, quand tu rejoues un jeu pour la 100e fois, tu portes attention à des choses que tu faisais porter attention les autres 99e autre fois. J'imagine, bon, où est mon étoile oubliée? C'était peut-être dans cette zone-là. Moi, je pensais qu'on pouvait pas aller là, puis j'étais tout perdu, pour une raison que j'ignore, malgré que les hitbox sont pas si pires. Mais bon, ça n'en prenait pas grand... ça prenait pas grand-chose quand j'étais là. Il n'y avait même pas d'étoile ici, ça serait... on a eu un petit peu d'XP, j'imagine. Et on va aller dans la tour de Booster, puis je pense qu'on a un personnage aussi. Non, elle est ouverte en partant. Je pense que c'est marqué « Bienvenue », puis en haut de la pancarte, c'est marqué en japonais le nom de Booster, son nom japonais ou quelque chose de même. Peut-être, je pense. Je suis pas un expert. OK, vous êtes juste des méchants. Et là, j'ai dit clairement que je voulais de l'XP. Fait que je vais jouer avec vous. Off. Et là, qu'est-ce que je pense? Oui, il faut que je me rappelle des peintures pour avoir un item clé. Je pense qu'il y a deux items clés, par contre, dans la tour de Booster. Honnêtement, il aurait fallu que j'y aille bien avant ça. On est assez fort pour ici. On a un donjon. On est en avance quand même, si on veut. Normalement, on aurait fait un donjon de plus. Je pense. Ou deux, clairement. Ben, deux, en effet, avec... ou trois, même. Le Booster Pass, le tuyau et la mine. C'est trois donjons qu'on aurait fait avant d'être ici, mais je pense qu'on est assez fort quand même. Ça devrait pas être un problème. Eux autres, ils ont beaucoup de vie, peut-être. Mais à part ça, on aurait pas été si pire, non? Pouvez-vous, s'il vous plaît, achever mes souffrances? On est supposé gagner plus d'XP, hein? Ça paraît pas tant que ça. Parce que les monstres, au début, donnent pas beaucoup d'XP, peu importe. T'as bien beau faire x3, ça... Des fois, ça paraît pas. Est-ce que t'étais supposé de pas avoir trois personnages et blablabla? Peux-tu? Merci! Il nous fait pas de dégâts, mais il a 2 millions de vies. Serait-ce les quêtes d'anomalie d'un bulldome? Bon, faut se rappeler l'ordre qu'il y a ici. Est-ce qu'il faut tu... Ah! Je pensais qu'il allait me parler, mais non. Oh, shit! Si on complète ce combat-là, on va avoir de l'XP en chaque mouille. Et je le veux, c'est toute cette XP-là. Mais toi, terrorise. On va terroriser ou on va gazer? Si on terrorise, on a un groupe Hog dans le corps. Fait qu'on va terrorise. Je sais pas si Malo, je t'ai donné... Je sais que je t'allais à droite pour toi. Go, montre-moi que t'es à droite. Montre-le-moi. Ah, quand même, quand même. Oh non, fuis pas mon XP! J'aurais... Avoir su, j'aurais pas... Oh god. Non, ça fait bobo cette affaire-là. Moi aussi, je me voudrais m'enfuir. Ok, groupe Hog ou on essaye de les tuer? Ok, groupe Hog. Groupe Hog. Je pense que c'était peut-être un... Ok, bon, c'est correct. C'était peut-être une erreur. Une erreur? Toutes ces choses. Quoi, tu viens de jouer, you bitch, avec Solid Fire? C'est-tu parce que j'ai fait Terrorize? Contre avec un genre de Solid Fire? Je ne sais pas. Mais bon, Mario, il a 71 de vie, c'est bien. Oh my god, c'est pas ce genre d'ennemi-là. Est-ce qu'on a juste pas assez d'attaque? J'ai pas remarqué comment qu'on a fait quand on a fait Terrorize. Peach, Rosalina, t'es celle qui frappe le plus fort. Ça gâche tout. Est-ce qu'on a tué une personne? On a gaspillé toutes nos Flower Points. Par pitié, ne me faites pas ça. Monstre, cher monstre. Techniquement, est-ce qu'on pourrait dire qu'à l'intérieur de leur jellyfish, il y a un Birdo? Succès? Est-ce qu'un Birdo peut être de tous les genres? Est-ce qu'on dit que c'est un... On me dit à l'oreille que c'est un trans, mais... Tu sais, ça pourrait être un Birdo. Pourrait être... Tu sais, il y a plusieurs Birdo, ou peut-être qu'il n'y a pas plusieurs Birdo. Mais en plus, les Birdo sortent d'un œuf, non? Comme les Yoshi. Fait que dans le fond, un Birdo, ce n'est pas un Yoshi. Ah non, ça fait quoi? Il y a trop de questions avec Birdo que je ne connais pas la réponse et que je m'informerai pas plus. Puis honnêtement, je m'en fous un peu de la réponse. On a frappé deux une fois. Static Pie. Ah ok, c'est qu'est-ce qui va me faire fuir le combat? Ah, ou pas.
Ça fait zéro à Gino puis Bowser en ce moment. Mario et Malo, mais bon. Notre équipe change tout le temps, je suis tout le temps perdu. Je devrais essayer peut-être un item qu'on a. Sleepy Bomb. Je sais pas, est-ce que ça l'attaque? Pure Water, est-ce que ça... De l'eau pure, techniquement, c'est... Non, je l'ai pas... Je suis stupide, je l'ai pas l'utilisé. Goodie Bag, est-ce que ça va nous rapporter quelque chose de good? Oh yeah! Ça valait la peine d'essayer. Peut-être que... je sais toujours pas. Ils ont peut-être hyper de défense. Peut-être pas. Sleepy Bomb, ça va juste les endormir. Energizer. Une partie de moi qui veut l'essayer avec... C'est quoi? Let's go. Rosalina. Si on frappe quand même de... Attack up, oui. Si on frappe quand même... Oh, get a freebie! C'est... Ok, parfait. Merci, jeu. Si on frappe quand même de pas tant que ça après ça, on va peut-être me motiver à continuer le combat. Ouais, on frappe de 1 encore après l'avoir. Energizer. Fait que je pense qu'ils sont juste des monstres avec pas beaucoup de vie. Arrêtez de massacrer Rosalina. Ok, il reste encore en masse de vie. Honnêtement, meurs, s'il te plaît. Meurs. Je ne veux pas avoir à fuir le combat. 2! On a frappé 2. Ok. Le... Je pense qu'il va falloir que je fuis le combat. Ou peut-être que je pourrais essayer en vous épargnant le reste du combat. Pour voir. Je vais essayer encore quelques minutes. Juste pour vous. Mais je vous laisse. Bon, ben, c'est clairement juste une perte de temps. Hein? Fait qu'on va quitter le combat. J'ai essayé... Si ça me prend tout ce temps... Can't run? Oh my god. Oh shit! Je m'attendais pas que ça fasse ça. Ok, on a notre stratégie. On a notre stratégie. Golem's Lure. Ah, oh, je pensais que ça les faisait dodo. Pas que ça les transformait en sheep. Tout ça pour fucking 8 d'XP. Oh, au moins j'ai essayé. J'imagine. Donc, rappelez-vous de ça. Moi, je m'en rappellerai pas, ok? Tout le monde se rappelle de l'ordre. Je dis ça, mais... Mais bon. Oh, God. Moku Moku Cookie, ça tombe-tu pas bien? On en a déjà un. Il me semble qu'il y a quelque chose ici, non? Ou c'est peut-être dans ma tête. Probablement dans ma tête. Y a-tu quelqu'un qui se cache, non? C'est à partir d'ici. Normalement, il y a une cinématique ici. Ou c'est peut-être ici. Ah! Un marteau, wow. Si seulement. Peut-être que c'est un bon marteau. 76! Pas d'attaque magique. Ah, c'est pour personne qu'on a. Malheureusement. Pourquoi on peut pas avoir... J'avais déjà fait un randomizer puis ça m'avait donné tous des armes et des équipements OP. Pourquoi je peux pas être chanceux comme la fois que je l'avais fait? God. Je me rappelais pas qu'il restait ici. Mais bon, tirons-nous en bas. Il me semble que c'est comme ça. Yeah! Honnêtement, encore une fois, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Qu'est-ce que c'est? Une arme? Un Stickly Glove! Espérons que c'est un de ces équipements hyper OP. Sticky Glove. 103 d'attaque! Mais pourquoi c'est marqué boosté avec une flèche vers le haut deux fois, mais il y a un moins? Fait que c'est boosté moins? Ça me fait... Ça l'attaque de glace? Demi de feu? Ou ça me protège? Je pense que ça me protège. Ah, c'est pour personne. God damn it! Peut-être qu'il va falloir aller chercher notre personnage dans la forêt, finalement. Est-ce que c'est beaucoup d'attaques que ça a augmenté? Attends, Peach est à combien son arme pendant 35? Oh, oh my god, ça aurait trippé notre output de damage quand même! Ça aurait paru! Ça aurait fait du bien. Hey, faut que je me batte un petit peu contre des méchants. Oh, un clown ici! J'ai hâte de monter de niveau, là. J'ai eu un 27 d'XP tantôt. Je devrais être plus proche. En fait, je sais pas comment il me manque. Je sais même plus si c'est beaucoup ou pas. Ça doit être juste un petit peu correct. Ouais, on est résistant. Grâce à notre équipement. Je pense que notre équipement nous protège aux stats. Je m'en rappelle plus. Depuis la dernière fois, comme d'habitude. C'est un classique. Mais bon. Oh, 18! OK. Lui, il est pas résistant.
Je peux pas, hein? J'ai tout gaspillé dans l'autre combat. Mais j'ai en masse de champignons, par contre. Je pourrais les utiliser dans un combat, ça nous donne une chance. Ah non, pas Lucky. Non. Faut pas que je prenne le Lucky. Notre XP se fait comme un combat qu'on fait, qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'XP, puis qu'on fuit ou qu'on perd du temps. J'ai perdu beaucoup trop de temps à l'autre combat. Gunk Ball. Ploup. Je peux pas le bloquer, ça, si je me trompe pas. Fait que là, elle peut plus faire de magie. Ça tombe petit pop mal. On pouvait pas, anyway. Mais bon. Encore un autre Lucky, oui. J'aurais aimé ça avoir un HP up, mais quand il y a un monstre, donne un type, c'est tout le temps le même type. Malheureusement. Petit. On frappe de 100 K. Ça me normalement, quand on est rendu ici, on est proche du 100, juste avec un perso. Si je me trompe pas. On n'est pas encore rendu dans les 100. 69. Bonne façon de terminer un combat, ça. Rosalina le sait. Peut-être que mon... J'aurais dû le faire, j'aurais monté de niveau. Je veux juste voir comment ça me prend pour monter. 33. Ah, c'est pas si pire que ça. Faudrait que je me batte un petit peu encore. Tiens, Rosalina, j'y donne un champignon. Je vous épargne pas le combat parce qu'il va être fini en 30 secondes. Fait que vous pouvez rester. Fait que c'était-tu 33 pour tout le monde maintenant que je pense, oh my god, Marlo. Qu'est-ce qui est triste, c'est que Rosalina est lente aussi. Faudrait qu'elle soit rapide. Comme ça, les combats se termineraient un petit peu plus vite. Les combats dans ce genre-là, les autres... normal, peut-être pas. Juste monter d'un niveau. Oh my god, non! Lamb's Lure à cette chose-là qui peut nous massacrer. Et on va voir comment on va survivre ce combat-là. Il y a du feu. Ça dépend s'ils s'en vont ou s'ils s'en vont pas. Je peux pas terrorize, stupid. Et qu'est-ce que ça fait déjà le Moukou Moukou Cookie? Est-ce que ça nous guérit? Est-ce que c'est à l'infini? Je pense pas que c'est à l'infini. C'est pas un point d'interrogation. Je pense que ça nous guérit tous. Ben, je pense que oui. On le testera quand on sera en train de mourir dans un boss, mais que ça sera pas la fin. Ou peut-être ça va être la fin. Je sais pas si ça va être en cas de... Je vais me ramasser avec des millions de Moukou Cookies, c'est ce que ça veut dire. Oui, Cristal! Et je pensais vraiment que c'était des... Tu sais, maintenant... Bye-bye, Mario. Maintenant que je pense, c'est pas vraiment des cristals. Des cristaux, devrais-je dire. C'est de la glace qui nous drop sa tête. Mais je pensais que c'était des cristaux, moi, avant. Peut-être que je devrais m'enfuir. Ah, j'aimerais ça pouvoir compléter les combats qui sont gros. Même, j'ai rien qui tue toute une armée de people. Peut-être que je devrais juste utiliser des Lamb Lure. Mais ça nous donne pas l'XP. Je pense. Peut-être que ça nous donne l'XP. Moukou Cookie! C'est le temps, on est en situation de crise. Ok. J'ai comme des souvenirs de tout ça, mais je me rappelle pas qu'est-ce que ça fait. Et pourquoi tu t'exploses? Dude! Moukou! Tu pleures, oui? Okay, 69! Get a freebie! Nice! Est-ce que tout est gratuit? J'en ai tout le temps des freebies. Et je viens de réaliser que Mario va tout perdre l'XP si jamais on réussit à faire cette bataille-là. Je suis bien nul, mais c'est pas grave, on n'avait pas de besoin. Lucky! Oh non! Une partie de moi veut faire le Lucky toujours, à chaque fois. La raison pourquoi je tue pas tant le feu que ça, c'est parce que je suis pas sûr si... Attends, oh. Mais ça, normalement, ils ont pas beaucoup de défense, mais c'est du feu, c'est différent. 20. Mais là, on l'a attaqué, je vais être obligé de continuer de l'attaquer. J'ai pas de pick-me-up, n'est-ce pas? Je vais regarder dans mon inventaire, mais je pense que non. Le problème, quand il y a des millions d'ennemis, c'est que c'est long, les combats sont longs. Peut-être que le goodie bag pourrait le ressusciter. Mais non, j'ai absolument rien. Fait qu'on va juste utiliser notre parapluie et frapper, ou notre fan, devrais-je dire. Ce n'est pas un parapluie. Peut-être que ça va prendre genre 20 minutes, ce combat. Mais on va avoir de l'XP. Peut-être qu'ils vont me donner de... Peut-être qu'ils vont me donner, comment dire, de l'équipement après ce combat, j'en doute. J'ai encore un peu d'espoir que les Sniffits s'en aillent, mais je pense pas qu'ils vont s'en aller. Tue-le par pitié! Merci, un de moins, avec le combat va être un petit peu plus rapide. J'ai pesé vraiment beaucoup trop d'avance sur ça, mais bon! Alors, on va tuer Spookum. Il me fait peur, juste avec un nom de même.
Drain, oui. Pourquoi faut que vous fassiez une petite danse avant? Tchoup tchoup, shake vers la droite un petit peu, shake vers la gauche. Et tout ça, et tout ça. Mais bon. Non! Encore des sirènes. Ça, à chaque fois que je fais un live, une vidéo, il y a des sirènes à un moment donné. C'est dangereux dans mon coin, c'est ça, faut en conclure. Moukou Cookie! De toute façon, c'est pas comme si Malo... qui joue une fois ou deux, ça change pas grand-chose. Ah, est-ce qu'il faut revoir toute cette cinématique-là à chaque fois? Je pense que oui, c'est le prix à payer. Mais, en quoi... C'est-tu parce que on fait « Oh, c'est pas cute que ça nous guérit de 69? » Puis qu'il pleure à la fin? Je pense que oui. C'est juste que ça nous réchauffe le cœur de voir un animal stupide se faire mal à lui-même, j'imagine. Logique. Beaucoup de logique. Et je vous épargne pas ce combat-là, voyons là. Tout le monde veut voir comment qu'on va s'en sortir. Avec peine et misère, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. On va tuer l'autre Spookum parce qu'il ose shaker ses petits bras avant de faire une attaque. Puis ça rallonge le combat un petit peu trop. Et le Drain, il se déplace beaucoup trop lentement à l'écran. C'est ma raison. Oh my god, j'espère que Malo va être capable de le tuer. Est-ce qu'on a eu un freebie sur le Moukou Moukou Cookie? Sûrement pas. J'ai pas porté attention. J'ai gaspillé tellement. Il est pas mort encore! Il joue après Malo, fait que je vais laisser Malo le tuer. C'est ma logique de pourquoi je l'ai pas tué, là. Vu qu'on perdra pas vraiment beaucoup de temps, je pense. Et Malo, si tu le tues pas là, je me pose beaucoup de questions. En 8, oui. C'est vraiment... Je désespoir s'empare de moi. Tiens, Peach tue la boule de feu, puis Malo, c'est sa dernière chance. Quoi? Elle l'a pas tué? C'est vrai, ça prenait 3 tours ou quelque chose de même, il me semble. Miss, merci, c'était une belle perte de temps. Et toi, tu meurs cette fois-ci. Finalement, j'aurais dû utiliser Rosalie, non, devrais-je dire. Lucky, pas si lucky que ça, je dirais. Et là, il est mort, lui aussi. Et on a finalement terminé ce combat-là. Mais je pense que Mario, il revient à la vie juste avant la fin, puis il va avoir l'XP 34. Non! J'ai résisté à la tentation. On a notre level up. Je veux pas gâcher tout le temps qu'on avait dans ce combat-là. Gauche! Toi aussi, t'es de gauche! Super jump! Magnifique, ça va tout changer. Ah, oh, puis je pense qu'on va avoir des Flyer Points. Thunderbolt! En espérant que ça prenne pas genre 10 Flyer Points. Flower Points? Une chance que je l'ai mis à droite. Maintenant que je pense, ce Malo... Enfin, ok, on a assez fait de combats, maintenant on se calme. Mais non que je veux monter au niveau 10. 134, oh my god. Ce sera pas pour tout de suite. Pas pour aujourd'hui. On a le temps de monter, d'aller trouver des items. Et de devenir hyper puissant. Voilà. Voilà, voilà. C'est qu'est-ce que je pense qui va se passer. Et là, on a ouvert un passage dans l'autre niveau qu'on pourrait aller chercher. Y aller pour aller chercher les items. Ah, je suis obligé de passer ici, n'est-ce pas? J'ai tout fucké la musique. Commençant trop tôt. Et voilà, c'est fait. Ah non, c'est vrai, il y a la petite cinématique où est-ce qu'il retourne en dedans. J'avais complètement oublié. Là, la question est-ce qu'on va être capable de compléter la tour? Sûrement, on était capable de compléter un combat sans trop de misère, voyons! Sans qu'il nous tue, fait que je pense qu'on devrait être capable. Peut-être que le combat va être long, mais c'est pas plus grave que ça. Oh, peut-être que c'est avec Birdo même, peut-être qu'on va terminer. Qui sait? Ah, un save! Ce qui est bien, on n'est pas encore rendu. 9, j'accepte ce niveau. On a Group Hug, Thunderbolt, qu'est-ce qu'on veut de plus? Ah, ok, est-ce que tout le monde se rappelle c'était quoi? Parce que moi, non. C'était lui. Après ça, c'était lui. Après ça, c'était... Oh my god. Toi, c'est le dernier, il me semble. C'est qui déjà le troisième? Il me semble, si je me trompe pas, toi... Oh my god! Je me suis souvenu... J'ai utilisé des stéréotypes de mon enfance pour faire ça. Alto Card, la merde. Oh my god! On est planté! Excellent. Et vous saurez pas c'est quoi mes stéréotypes d'enfance que j'utilisais pour me rappeler c'était quoi. Et c'est excellent. On restait en position... yeah! On a eu un item click de merde. Ce qui est excellent. Oui! Il me semble que j'ai manqué un item. Mais c'est pas plus grave que ça. C'était peut-être juste des plantes. 50 coins.
Je veux pas vraiment 50 coins. Faudrait aller. On a un boss qu'on pourrait aller voir tout de suite. Qui pourrait nous donner quelque chose de bien. Un frog coin. Il y avait peut-être un item bien où les frog coins. Je m'en rappelle plus. Mais je pense qu'on a pas assez de frog coin. Oh god, je me rappelle tellement plus comment que ça fonctionne cette chose. On va juste sauter sur l'argent. Shit, ce n'est pas sauter sur l'argent. Il va y avoir beaucoup de combats ici qu'on va sûrement éventuellement tous skipper. Il me semble qu'il était long, ces combats-là, normalement. Je veux voir Thunderbolt. On n'a pas encore, on n'a pas récupéré. Il coûte 2. Ok, il coûte le même nombre. Ce qui est magnifique, c'est avec notre magie pour tuer des millions d'ennemis. Ok, Rosalina, par pitié, fais-y beaucoup de dommages. 20. Elle a plus d'attaque que Mario, mais elle frappe autant que Mario. Ça veut dire que Mario est frappé dans son top, puis elle dans son minimum. J'assume. Ou qu'il a juste pas beaucoup de vie, cet ennemi. Un damage up, yeah! Qui est un defense up, yeah! Mais chut! Un damage up, un defense up peut être un damage up. Ok, 14 d'XP, good! Puis ça a pas été si pire comme combat. Je le prends. Ah, c'est vrai, j'ai pas la clé pour aller là, mais... Par contre, il y a un autre, il y a une clé là. Oh! Si c'est la clé pour redescendre en bas, je vais pleurer un peu. Et juste parce que, ah mais Mallow peut le tuer. Mallow peut le tuer puis il vise mieux que Mario. Voilà, un ennemi de moins le plus vite possible. Et en plus, il nous donne once again. Faudrait tout le temps le tuer en premier. En fait, je pense que je vais, faut que j'attaque ce monstre là avec Mario. Puis après ça, j'attaque avec Mallow le feu. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de combats de même qu'il va falloir faire. Et je pense que je vais vous les épargner à l'avenir. Ça va faire des millions de fois. Fait que j'ai aucune confiance où aller. Mais bon. Succès. Dry Bones Flag. Ah, c'est pas ce que je pensais que c'était. Ah, mais continuons notre ascension. Et je vous skip ça. OK. Au moins, on a eu les Frog Coins, j'imagine. Puis là, je vais faire juste YOLO. Et ça a fonctionné, shit! J'étais pas au courant que ça allait fonctionner. J'adore leur comment ils bougent leur tête, eux autres. Ils vont avec la musique. Ils ont l'air de vraiment apprécier leur vie ici. Mais c'est de la bonne musique, je comprends. Je comprends votre point, mes chers amis. Ah oui, c'est ici qu'on prend la photo, généralement. Mais il n'y a pas d'autres items? Dans mes souvenirs, il y en avait un, mais c'est des... Les souvenirs sont pas toujours très précis dans ma tête. Il y en a un ici. What? What? Ice Bomb! Enfin, on a un item d'attaque, mais qui nous aidera pas. C'était pas ça que je voulais faire, mais c'est ça que je voulais faire, si quelqu'un le demande. Flower Jar! Oh yeah, enfin! Enfin! Je me suis trompé de bouton. Enfin, on va pouvoir avoir plus de magie un petit peu. 16! Yeah! Ça fait du bien. Ice Bomb. Et on a juste un Moku Cookie. Maintenant, on a deux Lemslore. On peut... Je sais pas si on peut en vendre une, mais ce serait bien. Oh, on a un Honey Syrup. Syrup, ce qui est bien. Il va falloir se garder un Group Hug. Et c'est pas mal ça, en fait, pendant le prochain combat, je pense. Très important de sauvegarder, sinon on va tout perdre notre progrès. Et j'espère pouvoir faire les boss qu'il y a ici. Sinon, ben, si on meurt, c'est pas la fin du monde. On ira ailleurs, je sais pas. Ça va débloquer, par contre, un autre boss. Et Birdo peut... Je suis un peu obligé de faire ces boss-là parce que ça débloque les boss de... Un boss. Allons-y. On n'a pas besoin de faire le minigame. Et pourquoi ça bug? OK. Moi, avoir peur. Oh, on a besoin de faire le minigame? Ah non, on a besoin de faire le minigame. Il faut que je me concentre. À courir partout comme un défoncé. Oh non! Oh non! Il m'a presque eu. J'ai l'air qu'on peut se montrer la face, par contre, pendant ça. Coucou! C'est moi! Il nous voit pas, c'est excellent. Mais bon. Il y en a juste un à la fin qui est un petit qui peut être fourrant. Et honnêtement, je pense... Parce que techniquement, si on échoue, c'est un boss fight qu'on a à faire. Fait que je pense que dans le randomizer, le boss fight, c'est le même que normalement. Parce que sinon, ça pourrait te rendre un boss non accessible, je pense. Ou quelque chose de même. Ou juste une étoile, ou whatever. Je pense que c'est pas randomisé, c'est ça que j'essaie de dire. Parce que ça gâcherait tout. Et là, faut que j'aille complètement à l'opposé.
Et à un moment donné, ils vont faire un genre de pirouette qui vont aller partout. Puis il me semble, faut que je reste. Où est-ce que j'étais? Oh! Genre ici. Non? Oui, exactement. Je m'en rappelle, ça m'étonne. Bonjour, mon beau. Regarde cette paire de founes. Mais bon. J'adore que tout ça se passe sans aucun textbox. Voilà. Prends la poupée de moi, jaune, brun. Et ça a fait le bruit qui m'a donné quelque chose, sauf que j'ai rien reçu. Mega Pants! Oh ch... Ah! Dans le randomizer, mettre le boss fight là. Je pense que c'est booster, parce que c'est sa face. Mais j'espère que les Mega Pants sont méga bonnes. Sérieux, là? Moins 2 de défense, plus 11 de résistance magique. Évidemment que c'est pour Malo, c'est de la merde. Tu sais, qu'est-ce qui... Malo, c'est de la merde. Faire une partie de moi qui voudrait me tester à toi, mais non, on va aller ici. Il peut avoir une étoile derrière lui. Oh. Ça devrait pas être si pire. On peut se booster, c'est vrai, avec Rosalina, si je me trompe pas. Je sais pas si je veux. Quicksilver. Oh, shit. Il me semble que c'est celui-là qu'il faut que je... Ok, non. Je me rappelle plus quand le contrer. En fait, ah, à date, ça a l'air d'un challenge parfait. Bon, on n'a pas besoin de ta magie, Malo, tu sers à rien. Et toi, Chino Boost. On va aller Builder, mon cher, on va te booster. L'écran a flashé, ça veut dire que j'ai réussi. Excellent. Fait que Defense et tout, tout, tout. Vu qu'il est pas mal physical, on devrait être correct, Jinx. C'est quand tu tombes à terre qu'il faut que je bloque et je l'ai pas réussi. Je me rappelle, j'avais le timing parfait. On a la musique de Final Fantasy en plus, qui est excellent. Pour moi, en tout cas, je trouve ça excellent. J'ai le droit. Je sais pas, comme si quelqu'un m'était en train de me dire « la musique de Final Fantasy ». Et moi qui dis que je gardais mes flower points pour Group Hug. Oui, oui, totalement. Je veux me booster à être fort. Un jour, je serai grand. Triple kick. C'est pas un triple kick, mon cher. Je l'ai eu! J'ai eu le bloc. Yeah! Excellent. Et il y a deux fights de Jinx. Un qui peut te one-shotter, puis un qui peut pas. Non, si je me rappelle. Et on a l'air d'être dans la version de celui qui me one-shot pas. Fait que je suis quand même content. Quicksilver. La tombe à terre. Et Miss. Merci, jeu! C'est quand même plaisant d'avoir un miss. Malo, tu peux mourir pour tout. For all I care. Et il s'est pas pris de dégâts, malheureusement. Peut-être qu'il va nous donner genre 2 millions d'XP aussi à la fin. Mais en fait, là, ça ne servait pas. Ça ne sert pas à grand chose de le tuer. C'est pas Birdo qu'on a eu ici. J'ai manqué mon hit. Jinx, encore une fois. Ah, va l'avoir un jour, le blocage. Honnêtement, il est pas une menace. Jusqu'à présent. Il va peut-être se relever après qu'il soit mort. Il va faire « Ah, je suis une menace! » Toi qui as dit que j'étais pas une menace! Valor Up. J'espérais au moins qu'on aille des objets clés qui nous permettraient d'aller à des places. Mais on a l'Alto Card puis le Dry Bones Flag. Dans le mieux des cas, ça nous donne des items. Quelques petits... Quelques! C'est-à-dire un item ou deux. Mais bref. J'imagine que... Encore une fois, le randomizer n'est pas très gentil avec nous. C'est sûr que je suis pas un expert non plus. Ah, c'est celui qui one-shot! T'as tué la bonne personne, s'il te plaît? On peut le bloquer, par contre. Faut juste savoir le timing. Quicksilver, ok. Ça me dérange pas. Silver Bullet. Ça me dérange. Ça peut misser aussi. Oh, peut-être que Mario est résistant au KO aussi. Ça serait bien. Si ça a fait miss, je sais pas si ça veut dire que je suis résistant. J'espère que oui. J'ai juste hâte que tu meurs. Oh, j'ai réussi à le bloquer. Le timing est tellement weird. Je spamme mon bouton aussi. Ça l'aide. Faut pas trop spammer. Faut spammer d'une certaine façon que le jeu l'accepte. Silver Bullet. Ok, ça fait deux fois que ça miss sur Mario, fait que c'est bien. Je commence à croire que je suis immunisé et je vais être content.
Qui est trois fois, ça confirme, mais c'est quand même. Le cœur bat plus fort à chaque fois. Une chance qu'il est immunisé, parce que sinon j'aurais été dans la merde. Et tu peux mourir, mon cher. Non, t'es pas obligé de faire Viger Hop. Tu peux juste mourir aussi. On pourrait faire un Group Hug, ça serait le temps. Ok. Je pesais sur mon bouton, puis là, j'étais comme, mais ça me supposait avoir eu l'animation, là, mais à cause qu'on a eu Miss, ça l'a pas fait. Fait que je me suis posé beaucoup de questions. Les Miss. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ton triple kick. Il faut que tu pèses sur le bouton A quand t'en reviens du dommage, ce qui est weird. Genre juste avant l'étoile qui explose un petit peu partout. J'ai aucune idée quand est-ce qu'il va mourir. Mais il devrait pas en rester tant long que ça. Non! Elle a pas fait Group Hug avant de mourir! C'est pas grave. On devrait être capable de le tuer. Bombs away. Oh shit. Miss. honnêtement, tu ne peux rien contre mon perso OP intuable nommé Mario. Miss. Au moins, je suis capable de le bloquer facile. Cela est facile à éviter, cette attaque-là. C'est exactement au moment que tu penses qu'il faut que tu appuies, Miss encore. Magnifique. Continuez. S'il te plaît, meurs. Je me créerais à la fin de ma vie. Arrête! Il y a Quicksilver, Silver Bullet. Fais juste mourir. C'est le pire Jinx. Fait que c'est bien qu'on l'aille là, par contre. Ça va pas me stresser plus tard. Et le fait que Mario soit quand même assez résistant à lui aussi, c'est bien. Et que je sois capable de genre survivre à tout. Mais il faudrait qu'il fasse puis qu'il finisse en 1000 pièces, 1000 morceaux de pièces. J'aimerais bien ça. Je sais que ça me fait rien, fait que ça me stresse moins. À un moment donné, ça va Mario va mourir, je saurais pas pourquoi, c'est parce que j'étais pas immunisé, je suis juste chanceux depuis le début. Ça serait un cauchemar. S'il te plaît, fais juste mourir, comment Victor. J'ai des millions de champignons, fait que je suis même pas stressé là-dedans. Le combat peut durer encore pendant des heures s'il le faut. Mais bon, pourquoi ça m'a pas poussé cette fois-ci? Tu perds ton kick? Le fait qu'il ait fait Valor Up et Vigor Up aussi, ça veut dire qu'on se rapproche de la fin, mais bon. Tu peux le faire deux fois. Tu pourrais juste faire Silver Bullet, en fait, jusqu'à la fin. À moins qu'on perde notre immunité. Enfin! Il a même pas explosé un million de pièces, il a juste fait... 75! Voilà, va le prendre. Oh god, ça je le prendrais. Pourquoi? Pourquoi un autre cha-cha? Évidemment. On a-tu les flags? Est-ce que ça nous les montre? Oups, c'est pas à bonne place. J'ai l'impression d'avoir vraiment souffert. Ah, oui, ça nous le montre. On peut aller dans le temple. Mais encore, là, on se fait défoncer à... ici un petit peu. Elder Key, c'est un autre boss fight. Si c'est Birdo, ça pourrait nous le terminer. Mais si c'est pas Birdo, on va se faire défoncer. On pourrait aller voir. Juste avant de terminer, tiens. En fait, avant de terminer, on va aller se... Je vous épargne. Je m'en vais me guérir. Et sauvegarder la partie. Ok, fait que c'est un petit peu une mission suicide en ce moment. Pour aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. Et je sais pas s'il y avait vraiment d'autres items. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Hé, je pense qu'il y a un item clé ici, non? Non. Ou c'est peut-être quand la ville est revenue normale qu'on peut. Mais je pense qu'on va aller voir c'est quoi juste pour le plaisir, parce que ça nous le montre. Mais bon, parce qu'il n'y a rien dans la... Ben, en fait, je sais pas s'il y a rien dans la ville maintenant que je pense. Normalement, il y a eux autres, en effet, on peut juste... I'm just a customer, oui. Don't tell me, oui. Je veux les supplies. Fait qu'ils vendent des choses. Oh! Yoshi Candy! Il y avait des bombes ici. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Il y avait un moldy truc-chose. Il y a l'Alto Card aussi qu'on pourrait aller voir. Qu'est-ce que ça nous donne. Puis après ça, on terminera la vidéo, je sais pas. Peut-être. Ah! Toi, tu vends des choses, oui! Oh my god, ça c'est de la merde. Ça, c'est un petit peu bon. Ça pourrait faire du bon travail. Si c'était Milny, je sais plus c'est qui ça, Milny. Je pense qu'on l'a pas. Ça, c'est bof. Pour Builder, je pense qu'il y a quelque chose de mieux. Oh my god, il y a XP Booster qui est bien. Mais il faut 21 Frog Coin que je n'ai pas.
Oh my god, encore une fois, des équipements de merde. Ben, de merde. Des équipements pas OP, voilà. C'est ça que je veux, des équipements OP. Bon, ici, c'est quand qu'on a le village est en santé. Qu'on a des vrais toads, non? Oui, juste pour être sûr, je regarde. Je regarde avec mes yeux. Bon, ben, c'est le moment de vérité. On va aller mourir, probablement. Ni de qui? C'est pas celui-là! Elder qui? J'étais sûr que c'était pour ici. Oh my god. Va falloir que j'aille chercher. Excusez-moi. Oh my god, c'est la clé de booster. Je pensais pas qu'elle s'appelait Elder Key. Je pensais qu'elle s'appelait Storage Key. Je pense que je les ai inversés. Bon, ben, retournons à Booster Tower. Parce que je peux pas faire le boss ici. Mais c'est une bonne chose, finalement. Ah, laissez faire. Je pensais qu'il fallait la clé... La key time pour faire ce boss-là, mais non, il est tout le temps disponible, ça a de l'air. Ok! Mais on va se tenter voir si on peut le faire. Je me suis guéri, fait que... Oh, un. Non, oubliez ça. Sans... oubliez ça! Est-ce qu'on peut run away, non? Bon, ben... Malo, go! Et je vous ai rejoint, dans le fond, à la place que je pensais qu'on pouvait aller. C'est un item qu'on obtient à cette place-là. Fait que let's go! Oh shit! Bright Card! Il nous la donne vraiment plus facilement que normalement dans le jeu. Faut que tu développes des skills de voir des balles, des balls normalement. Mais bref, est-ce que c'est l'autre bord de ça? Ah oui, on est rendu au storage en plus. Fait que ça tombe petit pas bien. Voilà, Elder Key. Est-ce que ça l'enlève de mon inventaire maintenant? Juste pour voir. Oui! Temple Key, ça sera pas dans le temple, vous allez me dire. J'ai perdu. Mais bon, je pensais que c'était la clé de l'Elder parce que c'était l'Elder qui était là. Quartz Charm! Oh, ça pourrait être quelque chose qui aide Malo à devenir... Oups, je me suis trompé de... Malo à devenir quelque chose de bien. Ou Rosalina encore plus. Moins 3 d'attaque, moins 1 de défense. Ça protège... Dans le fond, la glace, la foudre et ça fait plus de dommages. Mais c'est bon pour ça. Mais le problème, c'est que ça baisse mon attaque puis on a désespérément besoin d'attaque. Ça monte son attaque magique. Attends, ça baisse son attaque de combien? Sa défense? De 1. Et 3, sa... son attaque. Parce que ça nullifie la foudre et l'électricité. Fait que ça vaut la peine juste pour ça. Et toi, c'est quoi? Il est où ton résistance au KO? Oh shit, il est là. C'est l'attaque Scarf. Qui le rend hyper rapide, mais qui baisse sa résistance magique, c'est vrai. Ah, mais c'est bon en motodif, là. Et Malo, résistant à la foudre. À part ça, il n'y a rien d'autre qui va pour lui. Zoom-choon. Ouais, il nous faut vraiment de l'équipement. J'imagine que ça va protéger Rosalina un petit peu plus d'avoir ça. Je vous rejoins. Où est-ce qu'on va aller utiliser l'Alto Card? J'ai menti. On est dans le Booster Pass. Parce que on a une nouvelle place où aller, il me semble, Linda. C'est triste, ça nous commence du mauvais côté. Crystalline, bon, c'est un item qui nous augmente la défense. Si je me trompe pas, c'était ça que t'as marqué. Mais il me semble qu'il va y avoir plein d'items. Non, Mega Pants! Ah non, c'est encore les Mega Pants qui sont méga de la merde. Je me trompe tout le temps, bouton. Je sais pas pourquoi je pèse là-dessus. Exactement, on a 2 Mega Pants. On aurait pu voir les Mega Pants avant. Ok, c'est ici. Si je me trompe pas... Oh, you bitch! Oui, je suis... le fameux Mario Guy. On n'a toujours pas terminé. Oh. Ça a de l'air, cette vidéo-ci. On va y aller à l'Alto Card. Comme ça qu'on va finir. Mais quand est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Là, la question... Ben, sûrement après ça, en fait. Je pense que dans la prochaine vidéo, on irait peut-être chercher l'item clé qui est où elle est. Yoshi! Il faudrait que je le fasse. Évidemment... Imaginez si la Temple Key, elle ouvre la porte en haut de Booster. Je serais tellement offusqué. Mais bon, juste un d'XP. Mais le problème, c'est que je suis sur des pics en ce moment. Oui, oui, faut que tu fasses la training course. Oh shit, on a un genre d'invulnérabilité. Période d'invulnérabilité. Pas capable de parler. On a 3 coffres. Sailor Pants, espérons que ce soit de shit. Sleepy Bomb, c'est de la merde. Et Early Glove, espérons qu'on ait eu des armes qui vont tout changer dans notre vie puis qu'on aurait dû aller chercher depuis si longtemps. Oh, 89!
ça baisse ma défense. Parce que ça, ça l'augmente de 11. Mais honnêtement, la différence... Puis on est résistant à la glace en plus. On l'était-tu déjà résistant à la glace? Sûrement. Ah, un demi, on est rendu un... La glace nous fait rien, l'électricité nous fait rien. Mario s'en vient une machine indestructible. Ce qui est bien... Wow, j'avais les Sailor Pants aussi. Moins 5 de vitesse, moins 8 d'attaque, 38. C'est à qui qu'on peut le mettre? À Mario, on pourrait quasiment y mettre. Parce qu'il a perdu de la défense. Puis il est rapide, il est extrêmement rapide déjà. Il a assez d'attaque. Fait qu'on pourrait y mettre les Sailor Pants. Puis fuck Marlo pour vrai. On pourrait, mais tu vas avoir plus d'attaque que les autres, gars. Voilà, on a notre machine de guerre qui est Mario, je pense. Puis la Sailor Cape, en fait, ça pourrait être bien pour... Ah, c'est lui, juste pour lui. Bon, déception. Ben, ça avait eu la peine d'aller ici. Bon, je vous rejoins à qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, pour vrai. Et voilà! Can't wait to graduate! Ouais, mais c'est pas toi qui prends l'alto card ou c'est lui qu'il faut que j'aille montrer? Non, lui, c'est lui qui nous les donne normalement. Les alto cards. Mais maintenant que j'y montre, est-ce qu'il va dire bonjour? Il est même pas là. Laissez faire, je m'en vais à la vraie boutique d'alto card. C'est toi la vraie boutique de alto card? Feather! Oh, ça l'augmente de tout, c'est une bonne affaire! Ça protège de fantômes, c'est la peur, j'imagine, et de scarecrow. Puis la fraude, je pense que... Ah, oh, j'ai pas assez d'argent. Shit! Je voulais la feather. Ça aurait pu être un petit boost utile. Mais bref, je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Bye bye! On va sûrement aller dans le tuyau, mais je le sais pas.